abonnez-vous sur notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications. Les travaux de réhabilitation de la résidence des Zachary Badiengila, connue sous le nom de Nemonansemi, sont effectués avec l'aide du président de la République. Lors de l'audience que Félix Tshisekedi avait accordée au notable Nekongo, il s'était engagé à réhabiliter cette résidence détruite lors de l'opération de la police qui a abouti à son arrestation. Diomine Dongala, qu'accompagnait Maître Paty Lendo, coordonnateur de la Dynamique Congo, s'est réjoui de la concrétisation de la promesse du chef de l'État. Bon, tout d'abord, je vais vous l'évolution de Misala pour dire que ce qui est Misala ici, la place qui est à Rougir ou à Rwanda, va vous avoir à disposition pour nous aller à l'hôpital. Nous avons eu un peu de donc, je vais vous parler de l'évolution de Misala pour que ce qui est Misala aille à Rougir à remettre en œuvre la décision de Azoaki et à Kozon qui est en train de. Bon, disons que Moussala est essentiellement placé à Kovanda, ici à Salami. Et quand il va finir à Mike Mike, je crois que d'ici samedi, Moussala est aussi là pour Moukondiamboka à disposition. Il y a Kozong Saïna Ndakunaye, donc Moussala est ici à Salami. Mais une bonne partie est Tikali, Ndakunion, Moussala et Salami Nanote. Mais au moins, place à Kovanda, Moussala est ici à Salami. Avis partagé par la fille aînée de Nemonansemi. Oui, na petit papa Dieu merci pour tout bien accueillir à côté la misala tenge je salama awa aye pe tout tamboli amuni de misala salamia. Nemonansemi qui a suivi grâce au chef de l'État des soins appropriés au CNPP et à la clinique universitaire de Kinshasa va bientôt regagner sa résidence.